addicts arise. When I arrive in this crack crack bag back. Eh bien salut tout le monde, c'est Safé, c'est parti pour une petite vidéo. On va ouvrir des coffres de chasse au trésor. Donc j'en ai 100 coffres magistrales. Donc avec le rose des sables, machin, je me suis aidé de Dofus Map bien sûr, parce que c'est du suicide, c'est sans ça quoi, d'en faire 100, parce que c'est insupportable comme système. Mais bon, avec Dofus Map, je mettrai le lien dans la description, ça arrange quand même bien les choses, ça simplifie et ça aide bien. Bon bah je vais peut-être commencer. Donc je vous montre, j'ai pas de rose des sables hein, déjà. Donc je commence, je vais passer quelques catégories, mais en gros j'en ai pas. Et comme ça on verra après 100 coffres combien on peut avoir, avoir de roses de sable. Et aussi j'espère avoir des orbes. Je sais pas ce qu'on peut avoir d'autres, mais des orbes je sais qu'on peut en avoir. Ce qui serait parfait c'est d'en avoir deux, mais bon, à mon avis j'ai pas beaucoup de chance moi dans ce genre de trucs. Alors à mon avis déjà j'aurais pas beaucoup de roses de sable et je pense pas avoir d'orbes. Mais bon on va voir. Donc je vais arrêter de blablabla. Ça fait une minute qu'il a commencé et j'ouvre. Alors ouais, bon là c'est des petits... ça va être un peu relou hein. Donc si vous aimez pas ça, ah, j'ai un 1500 là déjà, c'est pas mal. Merde, j'ai un 1500, c'est je crois c'est butin 10, je sais pas quoi. Donc si vous aimez pas ça, quittez la vidéo, y a pas de souci. Bon, je surveille un peu quand même. J'ai eu pour l'instant sur 10 coffres, j'ai eu un truc bien. Ah, j'ai eu un autre coffre qui s'est ouvert et je regarderai à la fin si j'ai des orbes parce que je sais pas où ça s'est mis. Alors. J'ouvrirai aussi les autres coffres que je drop après. 200, regardez, ouais, je sais pas, il y a des gens, je crois, ils ont genre un coffre, ils font une chasse, ils ouvrent, ils ont direct bon jet. Moi, ça marche pas comme ça, hein. Il en faut beaucoup, beaucoup. J'ai jamais eu de 20 000 ou 10 000 ou je sais pas quoi. Ouais, non, j'ai vraiment pas de chance, moi j'ai l'impression. Ah, j'ai encore d'autres coffres. Ah, fragments d'équipe. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir des fragments aussi, alors ça, j'en ai jamais également. C'est hallucinant, j'en ai jamais. Fragment des quêtes, je sais pas quoi ça sert, ça doit être pour les quêtes, pas rien à faire de ces trucs. Mais oui, c'est vrai que moi j'oublie, mais je crois que Celsius, enfin, il avait fait quelques chasses, il avait eu trois trucs de chasse légendaire, je sais pas quoi, j'y connais rien. Ah, 1900 roses et sable, c'est bien. Un coffre impressionnant. Pour l'instant, j'ai eu deux fois des bons gems, alors. Ah, j'ai eu un fragment. Il me semble, non, même pas. Boîte de fragments, je sais pas ce que c'est. J'y connais pas grand chose. Ouais, bon. Ah, deux coffres impressionnants. J'espère qu'il y aura des bons trucs. Et je sais pas, je crois que c'est une chance sur 100 d'avoir un coffre avec 10 000, 20 000 là. J'en ai jamais eu de ma vie avec genre 150 coffres en tout. Enfin, bon, il m'en reste 50 encore. Mais bon, pour vous dire à quel point je suis pas très chanceux, après c'est pas fini, mais. Je connais des gens, ils ont dû faire genre 5 chasses, ils ont eu direct eu. Est-ce que j'ai eu des... toujours pas d'orbe, dommage. Ah, 1000 roses, c'est bien, mais c'est un mauvais jet, c'est pas grave, c'est bien quand même. Si ça fait des parchemins, hein, je sais pas où ils sont les parchemins là-dedans. 100 parchemins d'ivoire, 166 parchemins blancs. Je sais pas si ça vaut des kamas, pas grand-chose j'ai l'impression. 1000, c'est bien. Toujours pas de gros jet. Alors est-ce que j'aurais un gros truc? C'est impressionnant. Ah, deux poudres de résus, c'est pas mal ça. Non, pas ah, un fragment d'écaille. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. Ça doit être pour des quêtes, des conneries. Putain, c'est impressionnant quoi. J'ai eu trois fois des 1000, je crois. Ah, encore 1000, c'est bien, mais toujours pas de gros jet. Hein. Je suis bientôt à la fin. Il me reste encore deux autres coffres, je sais pas s'il y a des trucs dedans, mais... 2000 roses et sable, c'est bien. Ouais, j'aurais fait 100 chasses pour l'instant, pas de jet énorme. Putain, je connais des gens, ils ont fait genre 5 chasses, j'en ai eu direct, hein. Ah, oh le dernier. Le dernier 14500. Oh putain. Le tout dernier, il est... Oh là là, c'est 14500 sur le tout dernier. Heureusement, putain. Oh, j'aurais pété un cap sinon. Heureusement qu'il est... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Fragment de truc de Roman. Ah ok, j'ai eu deux machins. Ah, j'ai eu un truc de gain aussi, j'avais pas fait gaffe.
Mais ouais, bon, c'est déjà bien ça. Mais alors, il reste encore des paquets cadeaux. Coffre rouillé. 5 roses des sables, merci beaucoup. Coffre rouillé. 5 roses des sables, c'est très gentil de votre part. Et un coffre insignifiant, ça doit être de la merde aussi, à mon avis. 3 roses des sables, génial. Alors, coffre impressionnant. On va finir quand même un petit peu. Ça n'aurait pas été fameux, heureusement j'en ai eu un de bien parce que bon. ça fait pas mal de poudre de machin là. Pare-chaux doré là aussi, je viens de voir. Il y a vraiment du bordel à avoir là-dedans. Je sais pas si je referais parce que j'ai eu quoi? Un truc. Bon, il y a une chance sur 100, certes, donc au moins ses probabilités est correcte quoi. Enfin, il me semble que c'est une chance sur 100, je suis même pas vraiment sûr, mais. Allez, on va terminer tout ça, mais là-dedans, je sais pas si on peut avoir des big jets. Alors, ça nous fait 38 000 roses des sables. Deux fragments, je sais pas si ça vaut quelque chose ou pas, c'est pour les chasses légendaires. Deux trucs d'endurance, ça vaut pas mal de kama apparemment. Beaucoup de parchemins, bon, je saurais pas vous dire le nombre exact vu que j'en avais déjà avant. Parchemin d'expérience. Deux dorés, donc ça c'est ouais. 150 ivoires, 260 blancs. Poudre d'Eniripsa, 107 et 5 poudres de résu. Ok, bon j'ai fait ça en 2 jours donc. Si la valeur exacte, enfin si je me fais la valeur exacte qui est écrite, c'est quand même sympa. 28 millions, enfin même plus avec le reste là que j'ai tout dit là. Ça fait ouais, ça fera, on va dire 25 millions parce que vous pourrez jamais faire la valeur exacte. Je dirais même 20 millions parce que bon, voilà, bon 20 millions en même pas 2 jours. Je vous dis, j'ai commencé hier à 11 h, là on est 19 h donc. Et puis j'ai pas fait que ça non plus, hein. Faut pas déconner, c'est ultra relou à faire donc j'ai pas fait que ça. Hop, je vais juste regarder des banques un petit peu au passant. Allez, je bug un peu donc la vidéo sera un peu longue du coup, il me semble. Ah non, ça va. Donc vous voyez, hein, je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires, hein, ceux qui font peut-être des chasses ou qu'on n'a pas fait souvent, mais bon, vous avez peut-être déjà eu des bons jets là, enfin des trucs 15 000 machin. Combien de coffres vous avez dû faire? Parce que moi, c'est au tout dernier que j'ai eu. Putain, heureusement, hein, j'allais péter un cap sinon. Sinon, ça m'aurait fait quoi? Ça m'aurait fait même pas 25 000. Ça aurait été. J'aurais été un petit peu déçu quand même. Alors, je vais rajouter les roses et sables dans le coffre parce que j'en avais déjà un peu d'avant. Et j'ai eu quoi? En gros, j'ai eu 5 fois des coffres avec plus de 1 000 et un coffre à plus de 10 000, quoi. En gros, tout le reste. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, j'ai aucune idée, mais. Personnellement, j'ai pas l'impression que ce soit génial, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Je suis quand même assez content si ça fait 25 millions de kama, même si ça les fera pas, je pense. Mais si ça fait 20 millions déjà avec ça, ce sera pas mal. Fragment d'écaille d'endurance, je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est pour quête pourpre. Non, en fait, j'en sais rien du tout. Peut-être un craft, remarque, j'en sais rien. Je vais regarder s'il y a un craft à faire avec cette merde. On va s'associer. Écaille d'endurance et ça. Ah, c'est pour Dofus Emerald, ça non? Ouais, j'en sais rien. Osef un peu. Fragment de truc Drauman là aussi. Je sais pas si ça vaut quelque chose, ça. J'en sais rien. Beaucoup de poudre d'Eni, j'ai dit. Ça ferait que je les vende. Et des parchemins. Mais parchemin, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose maintenant? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Donc voilà. Pour ces petits 100 coffres, donc avec Dofus Map, hein. Quand même, je tiens à dire parce que c'est grâce à eux que j'ai ça, parce que sinon j'aurais jamais eu le courage de tout faire, c'est insupportable. Mais ouais, quand même plutôt pas mal. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de chance avec les mecs que j'ai vu parler, mais bon, je suis déjà content, j'en ai eu au moins un. Si c'est une chance sur 100, les probabilités sont correctes, quoi. Donc ça va, heureusement que j'en ai eu un, sinon j'aurais pété un câble, mais bon, je me répète. Donc voilà, ça me fait 48 000, soit deux quêtes pourpres. Mais bon, je m'en bats les couilles de la quête pourpre, en fait, je l'ai déjà. Et les quêtes, c'est insupportable, donc je la ferai pas non plus. Donc voilà.